Je peux dire un tout petit mot ? Oui, bah, bon, si, d'ailleurs, je vais remercier tous nos téléspectateurs d'avoir eu l'amabilité de nous suivre pendant ces deux dernières années, pour moi même depuis plus longtemps, depuis 16 ans. Alors, on ne sait jamais trop le calcul. C'est depuis 17 ans et ça fait 16 saisons, comme en fait. Comme moi, je suis depuis très longtemps. Eh bien, c'est très gentil, merci. Donc, merci pour votre fidélité pendant toutes ces années. Je vous retrouverai, j'espère que vous serez présents et fidèles sur France 2 à la rentrée. Oui. Entre autres pour les enfants de la télé et d'autres projets sur lesquels on travaille. Et puis la saison prochaine, vous pourrez évidemment suivre l'émission avec Léa Salamé, à qui je souhaite bonne chance. Bravo Léa. Mais moi je voudrais dire, parce que vous l'avez suivi depuis des années, mais moi aussi je l'ai suivi, et je pense qu'au nom de millions de Français, on peut vous dire que vous avez marqué les samedis soirs des Français. Oui. Et que vous avez marqué l'époque aussi, oui. Laurent Ruquier, parce que... Il y a eu tellement de moments de télé, de débats de société avec vous. Vous avez mis en lumière des centaines d'artistes qui n'étaient pas connus. Et je sais que c'est votre plaisir de mettre en lumière les artistes qui sont méconnus. Vous leur avez donné leur chance. Vous avez aussi donné leur chance à plein de chroniqueurs qui sont devenus, hommes ou femmes politiques. Je ne sais pas si c'était le plan à l'origine. Non. Mais c'est comme ça. Vous avez mis en lumière tout un tas de gens. Et puis moi, à titre personnel, j'ai toujours eu plaisir à travailler avec vous. Merci Léa. Depuis, Tokyo est formidable. Depuis 7 ans. Moi en tout cas, sur On n'est pas couché et sur On est en direct, j'ai eu un vrai plaisir. Vous allez me manquer. Merci Léa. Ben, moi je vous regarderai comme vraiment. Ça. Moi je serai dans mon lit le samedi soir, bien tranquille. Je vais récupérer mes week-ends et je vous regarderai et je vous souhaite bonne chance. Et j'ai envie d'embrasser aussi Philippe Tullier. Toutes les équipes d'ADL TV, toutes les équipes techniques aussi ici, évidemment, et ce magnifique décor et tous ceux qui ont travaillé ici chaque samedi soir. Évidemment, on remercie tout le monde, tous ceux qui sont en coulisses, derrière les caméras, et qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années, qui peut-être vous accompagneront encore à partir de l'année prochaine. Voilà.